Eh bien, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ETS 2 pour un nouveau convoi en multijoueur. Je suis en compagnie de Driven. Salut! Et de Alexis. Salut! Donc, aujourd'hui, on est parti pour un petit convoi. On va tout de suite avant. Oula, je vais mettre le frein de parking. On va regarder la mission qu'on a. Alors, on est à Paris et on va à Strasbourg pour du fromage cottage. Je sais pas ce que c'est. Fromage cottage. C'est à dire quoi cottage? Je sais pas. Ouais, très bizarre. Donc voilà, c'est parti. Alors, bon, là ça lag un petit peu à Paris, c'est tout à fait normal. Il y a vraiment beaucoup de monde. On part beaucoup de Paris depuis la dernière fois que j'avais fait un convoi. On était parti de Paris. Mais après, on va essayer de faire toute l'Europe en fait. Sans aucun DLC. Donc là c'est juste qu'on s'est remis à Paris parce que on n'avait pas de garage autre part pour commencer. Mais les prochaines fois on partira d'autres villes. Voilà, vous me suivez les gars? Ouais, c'est bon, ça suit. Ok, nickel. Donc là je du coup... Je préviens quand tu freines parce que tu lagues. Ah ok, ouais, je vous préviendrai. De toute façon là il y a les feux. Attendez-moi parce que Gravini en fait il s'est TP sur moi et il s'est re-TP devant donc... Oula. Un jour rattrape. Non mais de toute façon là on a de l'autoroute je pense. Ah ouais, on a que de l'autoroute du coup. Oh, ça donc va être bien. Ouais. Ça va être tranquille. Ce que je voulais vous dire. Alors, le temps. Oui. Oula. Enfin, de mal se passer derrière. Mon rétro, Alexis. Attendez, moi, c'est quoi ces tables déjà? Ouais. Moi, j'ai Alexis, 35 MS, moi 40. 40 et Driven 35. Ouais, non, ça doit être le serveur, je pense. Alors, il fallait prendre l'Europe 2, il a pas l'Europe. Ouais, peut-être. Il y a moins de monde, ouais. Donc, ici, on a une remorque post-ped. Bon, ça, c'est pas le top, hein. On n'est pas en Scandinavie avec des nouvelles remorques. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas des modes remorques. Parce que ça serait bien sur le multi qu'ils ajoutent des modes remorques. Et là, je me suis mis une petite peinture d'un DLC, vu que j'ai beaucoup de DLC. Je me suis mis la peinture de la Statue de la Liberté. Que les autres voient en orange vu qu'ils ont pas le DLC. Ce qui est dommage aussi parce que bon, moi je le vois bien mais voilà. Et du coup voilà, j'ai mis des petites roues noires, un intérieur classique et ça a l'air de plus bugger les plaques. Parce que j'ai marqué abonné et Monsieur Bab et ça avant tu sais ça changeait un petit peu. Moi j'ai mis Team MB sur la mienne. Et ça change pas? Bah si, moi je vois Team MB sur mon camion. Ouais, tu vois Team MB. Parce que avant en fait, il y a au début du multi, même il y a encore un an, le mec qui était à 3000 km de moi, il avait marqué Jean-Paul. Et en fait, moi ça me marquait Jean-Paul, ça a changé toutes les deux secondes, tu vois, c'était un petit bug. Vu que t'es pas très très synchro. Oh, les mecs ils roulent pas sur la droite. Ah merde, ouais. Mais faites gaffe. Ah, j'ai pas vu, il y avait un péage. Ouais, il y a un péage, surtout que là on est en France donc on va pas bouger trop de la France aujourd'hui. Ah, bah il voulait pas aller voir les Chinooks aujourd'hui. Eh ouais, non. Allez, acheter à toi American Truck. Hein? Tu peux l'avoir toi American Truck? Ah, bah oui, direct on y sort. Alors, oui, tiens, parlons de ça. J'ai vu qu'il y avait Amazon qui disait le 30 octobre ou... Enfin non, c'était mi-octobre je crois. Non, 30 octobre, moi j'ai vu ça. Ouais. Et il y avait Micromania qui disait aussi sur leur site qu'il sortait le 23 septembre je crois bien. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de date exacte de sortie. Ils l'ont présenté à la Gamescom, j'ai vu quelques vidéos. Mais disons c'est que... C'est PS2 mais en américain. Voilà. Juste, je suis un petit peu déçu parce que... Comment dire? Ils ont même pas fait l'effort en 3 ans de changer l'interface. Ils ont laissé tout. Ils ont juste changé la map. Et du coup, ils ont mis la map américaine. Bon, le plus dur, c'est de faire la map. Mais ils auraient pu changer... Enfin, ils ont rajouté des camions, plein de choses. Mais ils auraient pu quand même changer l'interface pour que ça fasse un petit peu plus américain ou nouveau, tu vois. Parce que là... J'espère qu'ils vont changer, parce qu'il y a beaucoup qui ont testé le jeu et qui vont leur dire leur avis. Et j'espère qu'ils vont bien changer parce que s'ils changent pas, surtout que l'interface. Il a du mal à suivre. Hein?
Ravine, il a du mal à te suivre. Ah. Ouais. Non, bah c'est bon, vous êtes à 200 mètres. Moi, je vais peut-être rouler à... Tu roules à combien, Driven? 90. Moi, je suis à 110. Ah. T'as enlevé le limiteur. Bah vas-y, moi, je vais vers les 80, 90, le temps que vous me rejoigniez. Ouais, c'est bon, vous êtes près de moi, là. Ouais. Vous êtes près de moi. Et donc, voilà, je trouve que c'est dommage, surtout que apparemment, d'après des rumeurs, alors je sais pas si c'est vraiment des rumeurs ou des... Ou c'est la vérité. Attention Alexis. Attention, ouais, il y a un péage. Il y a... Comment dire, le multi. Genre, ils vont faire la Californie une fois. Après... Ouf, je me suis pris la barrière, d'accord. Après, ils vont faire... Moi aussi. Par exemple, un autre état des États-Unis en DLC, donc je passe 5-10 euros. Et donc apparemment, ça, le jeu, au bout d'un moment, au bout de 2 ans, il va nous rapporter... Enfin, il va devenir très cher, genre vers les 100 euros, tu vois. Ce qui ne vaut pas le coup, tu vois, parce que ETS2, bon, ils ont fait des DLC, mais pas autant. Donc, ouais. J'ai vraiment hâte de le tester, mais s'ils changent pas l'interface, c'est un petit peu bof, tu vois. Moi, je pense pas l'acheter. Surtout qu'ils auraient pu mettre, genre... Tu vois, je sais pas, ça aurait été bien, alors je sais pas, ils ont pas tout dévoilé, peut-être, hein, la Gamescom. Mais ils auraient pu mettre, genre, une animation quand tu décharges. Genre tu vois le transpalette qui va dedans et tout. Et si tu veux tu peux la passer, mais si tu veux ça fait joli aussi. Mais ouais. Mais bon. Après on a perdu Draven. Ouais. Non c'est bon, t'es à 209 mètres. Attention, je ralentis. Mon petit Scania il suit pas là. Ouais, bah attends, on va t'attendre à Reims de toute façon. T'as une mission pour où toi Alexis? Non, moi j'y vais pas, moi je suis en solo. Ah t'es en solo, je croyais que tu voulais aller à Metz. Ah non, moi je joue en solo, moi. Ok, et Driven, toi, t'as recommencé une partie, ouais. Ouais. Ok. Donc aussi, je voulais vous parler un petit peu de... Comment dire, du DLC qui va sortir très prochainement sur FS15. Donc en fait, c'est un DLC dont on ne connaît pas le nom. Le prix, je crois que c'est entre 15 et 20 euros. Ils avaient dit... Ouais. Enfin, 15 et 20 dollars, plutôt. Ce qui fait un petit peu moins cher en euros. Et ah mais oui, on est limité à 60 ici en fait. Enfin moi je suis limité. Ah bah oui, en fait vu qu'on est en ville. 70, ah ouais, okay. 90 moi je suis. Ouais mais c'est un DLC de Massé. Oula. Massé ouais. De quoi? Donc, le moi, nouveau c'est DLC des tracteurs. Ouais. C'est pas des étors? Non, c'est Massé, c'est des moissonneuses et des tracteurs. Ah ok, ouais. Donc apparemment, bien, bah j'avais vu des camions et tout Zetor, mais en fait ça va être comme le DLC Titanium sur FS2013, donc un an après sa sortie. Il y a eu un DLC qui a rajouté beaucoup de véhicules, qui coûtait et beaucoup plus cher du coup. Mais c'était, on va dire, tu vois, ils auraient sorti que des DLC comme ça tout le long. Ça aurait été bien, parce que là, tu vois, ils sortent des petits DLC à 7 euros, personne ne va les acheter, tu vois. Enfin, sauf ceux qui ont vraiment l'argent. Mais 7 euros pour des remorques ou des 3 tracteurs, ça vaut pas le coup. Alors que s'ils font comme vrai. Le DLC Titanium, et bah il y aura une map. Et là on a vu, il y avait une map, comment dire, il y avait une map assez vieille comme Big Polish Farm, mais bah avec leur bâtiment, tu vois, ils ont pas pris des maps de modder. Et ça a l'air vraiment pas mal, je trouve. Après à voir s'il y a autant de contenu que dans le DLC Titanium qui avait sur FS 2013. Mais j'espère qu'ils vont pas le, comment dire, le bâcler. Et attention, il y a un péage, mec. J'espère pas qu'ils vont le bâcler et le vendre très cher, puis qu'on va être déçu. J'espère qu'ils vont bien le faire comme tout leur DLC. Et puis voilà, voilou. Donc normalement il sort le 30 octobre. Ce qui veut dire que je ferai... Putain, je me tape toujours la barrière, c'est pas vrai. Ce qui veut dire que je ferai sans doute des vidéos dessus et une carrière sur lui. Ouais, quoi? Et aussi le volant FS15 qui sort en même temps. Ah oui, voilà. Il y avait aussi... Merci de me le rappeler. Il y avait aussi la Gold Edition. Donc en fait, j'ai vu, normalement, ils vendent le volant 300 euros. Alors ça... Non, 300 euros. Non, mais il y avait 300 euros, je crois, c'était sur... Il y a un mois, 2 mois... Sur le site en fait de Saitech, donc ceux qui ont... Ou... Ouais, Saitech.
ceux qui ont créé le volant. Mais apparemment, là sur Amazon, c'est vers les 200 € pour avoir le DLC, donc la Gold Edition, le DLC plus le volant. Ce qui veut dire que 200 € c'est vraiment pas cher. Et donc moi j'hésite à me l'acheter, sauf que bon, j'ai pas l'argent pour l'instant, donc je sais pas comment je pourrais faire Ouais, pour mais m'acheter. moi je pense le prendre le volant. Le volant, ouais. Après, je sais pas s'il est compatible avec Euro Truck après, Non, aussi. non, il Non, sera pas compatible. c'est que les jeux de farming. Ouais. Donc bon, Ah, ils sont d'accord. un petit peu radins avec ça, mais... 200 Bon, après, euros derrière, tu pour veux... même pas jouer avec deux jeux. Oui, non, mais après, c'est USB, donc c'est facile à faire une compatibilité. Ouais, c'est vrai. Mais comment dire? Il y a moi personnellement, quand j'ai vu 300 euros, je me suis dit, enfin non, c'était 266 euros, 300 dollars, mais voilà. Je me suis dit, pourquoi pas acheter juste le panel de commande qui est sur le côté? Parce que vu que j'ai déjà un volant avec une boîte de vitesse qui est compatible tous les jeux, ce qui veut dire que comme ça au moins j'achète pas le volant farming pour rien. Parce que le volant de farming, je vais devoir le fixer sur mon support volant. Et pour jouer à Euro Truck, je vais devoir rechanger de volant et tout. Oula, tu conduis un petit peu mal derrière. C'est vrai que en fait, pour moi tu lags en fait, donc Ah c'est ok, pour ça. bah attends, au pire, désaccélère un petit peu, tu me laisses de la distance. C'est bon, c'est bon. Et du coup, moi je voulais prendre que le panel à 126 euros, je crois. Donc le Ouais. panel de commande. Sauf que bon, c'est pas. Comment dire? S'ils le vendent à 200 euros, vaut mieux prendre le volant. Et même si je me sers pas du volant, j'aurai au moins la Gold Edition, j'aurai tout Mais vraiment. la connais d'ici, il y a quoi dedans, Bob? Bah en fait, je crois qu'il y a, Oui, DLC, il y a non? que le... non non, il y a que le DLC. En fait, je crois que c'est... non, je sais plus, je sais plus Et aussi un exactement. tuto pour les mods, non? Parce qu'en fait, à sa sortie du jeu Farming, il y avait le, comment dire? Il y avait en fait, ça s'appelait pas une Gold Edition, je crois une Limited Edition, une édition, comment ça Attention, s'appelle? péage. Diamante là, non, Platine, une Platine Edition. Et en fait, ce que t'avais dedans, c'était un porte-clés, un truc, une vache, un petit tracteur en plastique, t'avais Des le jeu, posters. et ça coûtait quoi, 10 euros de plus en fait, juste pour ça. Oula. Oh, désolé. Et en fait, je crois que. Je sais plus exactement. Mais peu... en fait, soit la Gold Edition, elle rassemble le volant. Enfin, tout le volant plus le DLC. Le DLC qui va sortir le 30 octobre. Soit elle rassemble le volant plus le jeu plus le DLC en fait. Je pense que c'est Et ça. plus tous les DLC, peut-être. Je sais pas, Bah. mais... Vous pouvez m'attendre, s'il vous plaît, c'est Disons que bon. les DLC. Ouais, vas-y. Par contre, ouais, non, les DLC. Je pense que. Après, si mais on sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, il y aura peut-être tous les DLC dedans. Hein. Ah ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bah On déjà, verra s'il y bien de avait toute c'est tous façon. les DLC à ce prix-là, je suis désolé. Oh, désolé, bah. Ah, putain. Non, non, j'ai Désolé, rien j'ai cru. reçu. Ah bon? Ça doit être une Oui. blague serveur, là. Bon, c'est très bizarre parce que moi j'ai rien d'ouvert en plus. C'est bon, tu nous rejoins, Draven? Ouais, là c'est bon. Ok, nickel. C'est reparti. De toute façon, Ah, ce serait je vais bien. aller aux 80 km/h, je pense. Hein, Et puis. c'est bien quand même si ils font mettre tous les DLC dedans. Ça encouragerait plus à acheter ça que. Ouais, c'est vrai que ce serait bien, mais je pense qu'ils la vendront plus cher. Ouais. Non, je pense pas. Ouais. Ouais, mais j'ai Déjà, le vraiment hâte volant, de voir. il est pas mal le volant quand même. Ouais, c'est vrai que le volant. Bah, à la Gamescom, ils avaient marqué prototype dessus. Ce qui veut dire que peut-être ça va changer quelques petites choses, tu vois. Enfin, je suis pas. Ouais, mais au moins il y a le joystick, il y a un. Ouais, c'est vrai que. Mais en soi, imagine juste pour moi, qui a déjà un volant, ou même, je sais pas, Olivier, toi qui a déjà un volant, un G27. Non, moi je n'ai pas de volant. Quoi? Non, moi je n'ai pas de volant. T'as pas un G27? Non. Ah bon? J'ai cru, j'ai cru. Non. Ok, Et donc en fait ça vaut pas le coup parce que sinon je pourrais plus jouer à Euro Truck et tout. Et en fait moi je voudrais juste le truc de commande sur le côté. Comme ça quand je joue à Euro Truck je joue normal. Et quand je joue à Farming bah j'ai mon panel pour faire le joystick. Plus tous les boutons de Farming comme ça c'est tout bien programmé. Tout bien fait et ça ressemble à la réalité. Sauf que bon après moi mon support volant il fait pas genre le truc hyper grand
Enfin, Faites. ça serait assez dur d'y faire et. Après, on verra tout ça parce qu'ils vont peut-être encore le baisser le prix, hein, parce que s'ils l'ont déjà baissé, c'est qu'ils vont encore le baisser. Ouais, c'est vrai. Mais après, j'ai pas vu autre part qu'Amazon. Donc peut-être c'est Amazon qui fait une réduc. Ce serait bizarre parce que, bon, Amazon, ils veulent l'argent, ils veulent pas. Enfin, ça doit être les développeurs qui leur ont dit de mettre à ça. Mais ouais, c'est assez bizarre. Ouais. Tu voulais dire quoi dans Evil? On verra tout ça. Non, ce que Là, je il veux a dire, rien de lui d'ailleurs. celui-là, il arrête pas de. Tacade. Qu'est-ce Je qu'il y vais te a? prévenir. Y a qui? Je sais pas, il a déboulé comme une balle. Kid Fais peur. Donuts for DayZ. Ouais. Ah ouais, bah le mec il a 150 MS. Ah bah c'est bon, il est parti. Ouais, il est loin de moi. Ok, ça tourne. Donc aussi, on va faire la petite miniature dans pas longtemps. Attendez. Oh, alors, je sais pas si c'est moi parce que ça fait vraiment. À chaque fois, je loupe les mises à jour, je les fais, mais je m'en fous un petit peu. Les mises à jour d'Euro Truck, je sais pas, est-ce que dans votre camion, en fait, quand tu mets le clignotant, déjà t'entends, tu sais, comme dans une voiture en fait, ou dans un camion, quand tu le mets, tu Ouais. sais, t'as le. Comment dire? Ah putain, comment ça s'appelle? Le bruit. Le levier là, le. Bah, le bouton. Oui. Et bah, en fait, il fait un petit bruit, tu vois, quand il se déclenche. Oui. Et bah, est-ce que ça vous le fait aussi dans votre camion quand vous mettez les clignotants? Bah oui. Oui. Et quand vous l'enlevez? Parce qu'avant, tu sais, ça faisait tic-tac, Aussi. tic-tac. Mais au début, à la fin, quand tu sais, t'appuyais pour l'enlever ou le remettre, ça faisait pas pouf. Comme ça, enfin, c'est bizarre à dire. Ouais. Ça le fait vraiment. Bon, faut bien écouter. Peut-être que vous l'entendez pas, Oui, les faut abonnés. vraiment soit ouais. Ouais, faut vraiment l'écouter. Mais je m'en suis rendu compte. Donc, peut-être que ça a changé. Je sais pas. Je sais même pas en quelle version on est. On doit être en 1.18, 19. Ouais, 19. Oula, je roule pas droit, moi. Oh le bab, il roule pas droit, lui. Alors, est-ce qu'on est bientôt arrivé, nous? Bah On est à oui. Metz. Alors là, apparemment, il y a de la petite route. Ah non, c'est juste une autoroute qui se ferme. Ouais, c'est juste une autoroute qui se ferme, ouais. Hop, voilà, on remet nickel. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a 1% de dégâts. Ah oui, on a 18 tonnes. Bah, je sais pas du tout en fait ce que ça veut dire fromage cottage. Cottage en fait. C'est peut-être du Peut-être le nom du fromage, fromage. tu sais, coupé en tranches. Ou peut-être des tomates, tout ça aussi dans un truc, hein. Ah ouais. Potager, potage. Ouais, peut-être, peut-être. Je sais pas du tout. Sachant Prochaine que coupe. généralement les magasins ils font pas que livrer du fromage, hein, ils font livrer un peu de tout dans le camion. Tout là, on va aller livrer à Carrefour, ouais. Carrefour, ma gueule. Ah, c'est Est-ce qu'il y a Carrefour. du monde derrière nous? Merde. Non, on est que tous les trois sur le Tous les sur trois? la route. Est-ce que ça vous dit de faire une miniature ici? Allez. Attention, freine un petit peu. Est-ce que, parce que là c'est un beau point de vue, tu vois, je trouve que. Là, de toute façon, on est que Ouais, tous les trois. pourquoi pas. Ouais, je pense qu'on va la Bah, faire là. arrête-toi, Bab, aussi. Hein. Si t'arrêtes pas, Ouais. on va pas te courir après. Bah, moi, je vais me mettre sur le côté et vous, vous mettez sur les deux autres voies. Attention, freinez. Voilà, parce que là c'est assez beau, là. Attends, elle est où, la montagne? Ouais, elle est là-bas. Ouais, on la verra. Hop, du coup, mettez votre frein de parking. Merde. Attends, je me trompe toujours. On va peut-être mettre les grands phares. Attendez, par contre, faut que je désactive. Comment on fait déjà? Ah voilà, comme ça. Settings. Klaxon. Alexis. Ok. Ah oui, on peut Oui. mettre le winter mode encore, ok. Alors ça aussi, c'était une nouvelle fonctionnalité du multi. Player tag. Je sais pas si. Je crois qu'on peut l'enlever le player tag. Attends. Je sais plus comment on fait pour l'enlever. Développement, saison effect, sound, graphique. Est-ce que vous savez les avatars, je crois. Ouais, bon, au pire, on laisse, hein, tant pis. Oula, oups. On va laisser au pire. Au pire, on aura les noms, mais tant pis. Oula, merde, je suis sorti du jeu. Pourquoi j'ai fait ça? Hop, studio photo, mode photo.
pense pas merde. Que tu peux. Oh merde, y'a un camion derrière. Dépêche. Bah attends, non, on aura pas le temps. Ouais bah si. Puis on nous emmerde. Hein. Ah. Nous emmerde, on fait ce qu'on veut. Oh, putain, ils sont deux. Ah, arrête, c'est un modérateur. Oh putain, vas-y, on se casse. T'as les mecs quand... Vas-y, avancez les mecs. Laissez-le passer parce que... Voilà, l'équipe. Attends, je tourne. Comment tu sais que c'est un modérateur? Bah, son nom, il est en rouge. Non, c'est un admin. Ouais, enfin oui. Hein. C'est encore pire. Ah, c'est bon, revenez. C'est bon. On arrive. Bah, attendez, je viens à votre... Marche arrière de folie. Ça, c'est la session d'arrivée. Oh mince, tu fais 1% de dégâts. Bon, viens, vas-y, garde-toi, Driven. Moi, je vais prendre la photo. Ah, comme du Mercedes. Vas-y, non, Driven, mets-toi, ouais. Comme du Mercedes, qu'il a pas beaucoup de freins en fait. Je sais pas si c'est le camion qui est buggé ou. Peut-être que t'as des dégâts dessus, peut-être. Ouais. Je sais pas du tout. Non, c'est les freins, ils sont buggés les freins. Ah ouais. Ouais. Alors vas-y, recule, je vais essayer de faire un bel angle de vue. Après c'est vrai, de nuit on n'y voit pas trop. Fais gaffe, Driven, t'es sur ma gueule. Driven, fais gaffe, ouais. Mets-toi en vue extérieure au pire. Ah, c'est pas moi qui viens ici. Non, c'est moi. Oh, tu me fonces dedans, tu crois que je vois pas? Oh, ma faute, chef. Camion, c'est de la merde. Et bon, je me mets en fin de parking, je bouge plus. Ok, vas-y, Driven. Est-ce que tu sais conduire, Driven? On va voir ça tout de suite. Bah, tu te débrouilles pas mal. Voilà. Bon, allez, du coup, on va... je sais pas comment je me place, les mecs. Parce que bon, on y voit pas trop, en fait. On voit des lueurs, mais... Au pire, je pourrais me mettre très haut comme ça. Bon, c'est dommage, on voit vos noms. Faudrait que je regarde... Comment on enlève le flou, on va le mettre comme ça. Ah, on peut peut-être enlever les couleurs. Ah ouais, ça fait trop stylé ça. Ah ouais, les mecs, j'avais jamais joué avec les lueurs. C'est trop stylé. On peut mettre du vert et tout. Ah bah là, on va voir, on va mieux y voir. Raven, tu peux enclencher la première vitesse. Là quoi? C'est qui en marche arrière là? Ah, c'est peut-être moi. C'est moi. Ah, non, c'est moi. Ok. Alors hop, on va se placer comme ça. Y a un camion qui arrive. Ouais, bah c'est bon, il attendra. Dépêche, c'est un admin. Oh merde, encore! C'est bon, vas-y, on se casse. Non, c'est pas un admin. Hein. C'est bon, c'est Michaud, non, c'est pas un admin. Bon, allez, go. Michaud, t'as fait ta miniature? Ouais. C'est bon, ouais, Jean-Paul. Voilà. Ah oui, ça fait le même bruit, tu sais, on entend le comme les clignotants avec... Ouais. C'est bien ça, ils ont changé. Par contre, c'est vous qui m'éclairez ou c'est moi qui ai eu... Je crois que c'est moi. Ouais, ça doit être vous. Avancez, hop. Voilà, ouais, c'est bon, attends, je vais passer devant, là. Ouais, attends, faut qu'il ralentisse. On peut s'arrêter à la station, s'il te plaît, j'ai bientôt plus d'essence. Ouais, bah vas-y. Du coup, les amis, en tout cas, bah on a fait pas mal de... Ouais, c'est bon, 25 minutes. Après, j'aurai trop de temps d'upload. Donc, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de quoi parler, bon, on trouvera sans doute. Mais si vous avez des choses à me dire ou même des questions, par exemple, que je peux vous répondre en convoi... donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Monsieur Bab. Et ciao tout le monde. Ciao.